Bonjour. Qui êtes-vous dans la gendarmerie? Alors, je suis l'adjudante Fougès. Je travaille pour les techniciens d'identification criminelle. Je gère les scènes criminelles, voilà, comme celles qu'on peut constater aujourd'hui. D'accord. Quel est votre rôle, du coup, aujourd'hui dans le crime au collège? Alors, mon rôle aujourd'hui est d'aller sur la scène de crime, de chercher les traces et les indices qui peuvent être intéressantes pour l'enquête et de les ramener dans mon laboratoire et les étudier. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer le crime au collège, s'il vous plaît? Ce qui s'est passé? Oui. Alors, je pense qu'il y a une personne qui s'est fait tuer. On l'a découverte au sol. Alors, de nombreuses traces nous font penser que c'est bien un crime. Maintenant, ce qui s'est passé, il va falloir d'abord que je fasse mes prélèvements pour pouvoir vous dire ensuite ce qui s'est passé. Donc, je suis Madame Mondon, je suis professeure de SVT. Et qui est au sein du crime au collège? Alors, moi, je me trouve sur la scène de crime. J'accueille les élèves qui viennent récupérer les indices au niveau de la scène de crime. Mais il y a des professeurs dans l'ensemble des laboratoires qui accueillent les élèves et qui les conseillent lors de l'analyse de chacune des preuves qui étaient trouvées sur la scène de crime. Bah, moi, je suis au Sengaya, je suis en 3e 10. Moi, c'est Lina Massabingue, je suis en 3e 10. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin pour le crime au collège? On a fait 4 ateliers. Voilà, pour découvrir qui c'est qui a tué une victime. Pour trouver le coupable. Voilà. Et on a fait des analyses d'empreintes. De sang aussi. Nous, on a fait une explosion. Pour savoir quelle personne avait tel matériel sur elle. On avait plusieurs suspects qui étaient dans la scène. Et on en a trouvé un à la fin. Ok.